Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jean-Laurent raconte, et Jean-Laurent c'est moi. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un personnage peut-être un peu trop oublié, en tous les cas son œuvre principale ne l'est pas. Je voulais vous parler d'Eugène Potier et de la chanson qui l'a rendu célèbre après sa mort, parce qu'elle ne connaîtra le succès qu'après la mort de Potier, qui est l'Internationale, que l'on connaît parce qu'elle est l'hymne de beaucoup de mouvements ouvriers, socialistes, communistes, anarchistes, et qu'elle a même été, je crois, entre 1922 et 1944, l'hymne officiel de l'URSS. Donc pour beaucoup, l'Internationale est l'hymne officiel de l'URSS, et donc du communisme. Eh bien, nous verrons que l'histoire est un petit peu plus compliquée que cela. Et je vous explique comment tout cela m'est venu. Il y a quelques années, pour tout vous dire, je vais vous livrer une anecdote personnelle. Oui, j'ai quelques notes, pas grand-chose, mais enfin, voilà. Tout est manuscrit, évidemment. quelques souvenirs personnels. Le 1er mai 2014, donc il y a 6 ans, le grand maître de l'époque, Marc Henry, de la Grande Loge de France, me dit « Je vais à la cérémonie organisée par le Grand Orient au Père Lachaise. » Je crois que ça fait 20 ans que le Grand Orient organise tous les 1er mai une cérémonie au Père Lachaise. Parce que le Grand Orient souhaitait célébrer Pierre Brossolette, qui allait rentrer au Panthéon en 2015, et Marc Henry travaillait beaucoup pour la panthéonisation de Pierre Brossolette, qui était membre de la Grande Loge de France, puisqu'il avait été initié en 1927, au sein de la loge Émile Zola. Voilà, donc on y va, on va au Père Lachaise, il y avait un petit carré où il y avait les cendres de Pierre Brossolette, il y a des discours, etc. Et la visite se poursuit. Et elle se poursuit par un arrêt sur la tombe d'Eugène Potier, où une chorale chante l'International, sur l'air qu'on lui connaît, hein. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, chante faux, hein. L'International sera le genre humain. Voilà. Donc, la chorale chante l'International, sont là des drapeaux rouges avec la faucille et le marteau, et des gens avec des foulards rouges, très communiste, quoi. Et s'ensuit une allocution, c'était Daniel Keller, d'ailleurs, qui fait un très beau panégyrique d'Eugène Potier. Et je dis à Marc Henry, qui regardait ça à côté de moi, je lui dis, ce qu'on vient de voir, c'est beau, mais tout est faux. Tout est faux. C'est une belle reconstruction historique a posteriori, mais rien de ce qu'on vient de voir là ne correspond ni à ce qu'a vécu, ni à ce qu'a voulu, ni à ce qu'a pensé Potier. Alors, on va voir dans cette conférence pourquoi tout ce qu'on a vu le 1er mai 2014, lors de la cérémonie au mur des fédérés organisée par le Grand Orient, était faux. Gentiment faux, faux avec le cœur, faux avec de bonnes intentions, mais faux. Alors pourquoi? Alors Eugène Potier, pour le saisir rapidement, Eugène Potier, c'est 1816-1887. Potier, il est au début dessinateur sur étoffe. Alors, pour faire simple, grosso modo, il fait plutôt des papiers peints. Vous voyez, ce serait plutôt un dessinateur de papiers peints. Il crée la Chambre syndicale des dessinateurs, à laquelle d'ailleurs va adhérer à l'époque quelqu'un qui fait le même métier que lui, qui s'appelle Gustave Mesureur, et qui sera à plusieurs reprises, qui sera député, qui fera fonction de maire de Paris, président de l'assistance publique, qui a rénové l'assistance publique, on aurait bien besoin d'un mesureur aujourd'hui, qui a rénové l'assistance publique et qui a été à plusieurs reprises grand maître de la Grande Loge de France. Mesureur faisait partie de cette Chambre syndicale. Potier adhère à l'époque à la première internationale ouvrière, la première internationale des travailleurs, celle qui avait été créée en 1864
et où s'opposait au Masonic Hall de Londres, hein, pour ceux qui savent voilà, ces petits détails. Et si vous voulez, cette internationale des travailleurs, il va vite y avoir plusieurs scissions et plusieurs luttes en interne, puisque il va y avoir une lutte notamment entre les marxistes et Bakounine, l'anarchiste, et qui va faire que, bon, déjà en 1869, ça va être compliqué, et en fait, l'internationale, la première internationale cessera en 1872, et une deuxième internationale, l'internationale ouvrière, verra le jour en 1889, et il y aura une troisième internationale en 1922, l'internationale communiste, après la scission en France au congrès de Tours en 1920, et dans d'autres pays à peu près à la même époque, où se créaient les partis communistes, après la révolution russe de 1917. Voilà, donc il adhère à la première internationale, et puis arrive la guerre, il est évidemment contre l'Empire, hein, Potier. Arrive la guerre, il est membre de la garde nationale, il participe au combat en 1870, pour défendre Paris, hein, lors du siège de Paris par les Prussiens. Là où Gambetta part en ballon, là où il mange les animaux du Jardin des Plantes, etc. Enfin, bon, on connaît le siège de Paris 1870. Et puis, arrive l'épisode qu'on va appeler celui de la Commune de Paris. Et comme il est à la garde nationale, il connaît bien évidemment le commandant de la garde nationale, qui s'appelle Gabriel Ranvier. Et c'est Gabriel Ranvier qui va proclamer la commune libre de Paris, la Commune de Paris, le 28 mars 1871. C'est Gabriel Ranvier qui dirige la garde nationale. Et Gabriel Ranvier, il ne fait pas que diriger la garde nationale, il est également franc-maçon, et il est franc-maçon dans une loge de la Grande Loge Centrale du Suprême Conseil de France du Rite Écossais Ancien Accepté, qui s'appelle la Ligne Droite. Et puis, il va connaître, lors de la Commune de Paris, tout un tas de frères, et qui, comme par hasard, sont membres de cette Grande Loge Centrale, du Suprême Conseil de France. On a vu dans une vidéo précédente, alors qui s'appelle la crise de 1862, pourquoi des républicains, des révolutionnaires, etc., vont aller dans ces loges de la Grande Loge Centrale du Suprême Conseil de France du Rite Écossais Ancien Accepté, pour faire simple, qu'on appelle aujourd'hui la Grande Loge de France. Et je parle de Ranvier, mais je peux parler de Émile Eudes, qui est le principal chef militaire de la Commune, qui appartient à la justice 133, comme Jules Vallès, initié en 1869, en même temps que Gustave Mesureur, dans une loge qui s'appelle la justice 133, qui existe toujours à la Grande Loge de France. Émile Eudes, il est blanquiste, donc il appartient à un courant socialiste non marxiste, mais de Blanqui. Il va rencontrer le docteur Edmond Goupil, qui après la guerre et la Commune sera le président de l'association des Amis d'Eugène Potier, donc c'est vraiment quelqu'un qui est proche. Goupil, c'est pareil, c'est un maçon écossais. Il va connaître Élimet, le futur vénérable maître des Trinitaires numéro 3, toujours de cette Grande Loge Centrale écossaise qui deviendra la Grande Loge de France, puisque les Trinitaires, c'est toujours la loge numéro 3 de la Grande Loge de France actuellement. Et c'est Élimet, on le verra, qui va l'initier franc-maçon à New York. Et pour en connaître plus, je vous conseille une très bonne biographie de Christophe Biteau sur Élimet, si vous arrivez à la retrouver chez les bouquinistes. Elle n'est malheureusement pas éditée. Des gens comme Émile Thirifocq, de la Jérusalem écossaise, mais surtout qui vient de créer en 1870 une loge qui s'appelle le Libre Examen, dont on reparlera tout à l'heure. Émile Thirifocq, c'est celui qui va emmener, il y a une délégation, enfin il y aura un grand défilé de francs-maçons, c'est lui qui va être accueilli par Jules Vallès, en tant que membre de la Commune de Paris, qui accueille Émile Thirifocq, qui est le chef, entre guillemets, de la délégation des francs-maçons,
il lui donne le drapeau rouge de la commune et Thierry Foch lui dit « Je vais mettre ce drapeau dans les archives de la franc-maçonnerie ». Et c'est ce même Thierry Foch, parce qu'il y aura deux grandes réunions maçonniques chez Cour, parce que ce n'est pas le sujet, durant la commune, et c'est ce Thierry Foch, le même Thierry Foch, créateur du libre examen, qui va dire « Si nous allons planter les barrières maçonniques sur les barricades, et si les Versaillais tirent sur nos bannières et les trous de leurs balles, eh bien, nous prendrons fait et cause pour la commune, et si vous allez dans le grand temple, le temple Pierre-Brossolette de la Grande Loge de France, juste en face, vous verrez notamment la bannière de la justice 133, où il y a encore les impacts de balles des Versaillais dans la bannière de la loge. » Je ferme la parenthèse. Mais il va aussi connaître d'autres Écossais, Ernest Hamel, qui est le biographe de Robespierre, il va connaître Emmanuel Arago, hein, qui fera son éloge, Camille Pelletan, l'avocat Grégoire Virouboff, Gustave Lefrançais, de la justice 133 également, tous ceux que je vous cite, c'est les francs-maçons écossais. Hein. Gustave Lefrançais, qui appartient à la justice 133 et à qui il va dédier l'international, qu'il va écrire un peu plus tard. Hein. Gustave Lefrançais, qui est membre de la justice 133. Et donc, Potier combat pendant la semaine sanglante, qui est la dernière semaine de la commune. Et puis, les communards perdent. Et puis, il arrive à se cacher. Et c'est à Paris, en 1871, où il écrit tout un tas de poèmes, dont un qui s'appelle « L'International ». Alors, Potier ne va pas écrire de musique pour « L'International », tout simplement parce que il l'écrit sur l'air d'un chant révolutionnaire emblématique, qui est la Marseillaise. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 26 avril 2020, et c'est dans la nuit du 25 au 26 avril 1793 que le frère Rouget de Lille, à la demande du frère baron de Dietrich, maire de Strasbourg, écrit pour l'armée de la République qui combat les Allemands, les Prussiens, et donc qui est l'armée du Rhin, il compose le chant de guerre de l'armée du Rhin. Et c'est ce chant de guerre de l'armée du Rhin, il va être emporté dans les bagages des sergents recruteurs qui vont aller jusque dans le sud de la France, jusqu'à Marseille notamment, pour recruter des volontaires pour rejoindre cette armée du Rhin. Et donc, ce sont ces volontaires marseillais qui vont chanter pendant tout le trajet. Alors, vous voyez, le trajet entre Marseille et Strasbourg, ça en fait des jours et des jours et des jours de marche. Eh bien, pendant tous ces jours de marche, ils vont chanter le chant de guerre de l'armée du Rhin. Et comme c'était les volontaires marseillais qui chantaient ça, eh bien, tous ceux qui ont entendu sur le chemin et le soir et tout ça, ce chant, ils ne l'ont pas appelé le chant de guerre de l'armée du Rhin, ils l'ont appelé la Marseillaise. Voilà. Donc, Potier écrit l'International sur l'air de la Marseillaise. Il n'entendra jamais l'International sur l'air sur lequel on le connaît aujourd'hui. Hein. On verra que c'est un peu plus tard. Donc, en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'il adapte. Alors, c'est en même temps un chant qui fait, pas l'apologie, mais qui se réfère à la première Internationale. Mais surtout, c'est une version internationale de la Marseillaise. C'est ça que veut faire Potier. D'ailleurs, il compose sa chanson, son chant révolutionnaire, parce que ça fera partie d'un recueil qui s'appelle « Chant révolutionnaire ». Donc, il compose son chant sur l'air de la Marseillaise. Et pour vous dire, il ne publiera ses chants qu'en 1887, quelques mois avant sa mort. Et donc, en 1871, il compose, c'est tout, mais personne ne connaît l'International. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je vous dis que ce sont des francs-maçons écossais, sur la commune de Paris, il faut que vous ayez en tête, y compris pour plus tard, ce qu'en pensent les uns et les autres, si j'arrive à retrouver tout ça, et je vais y arriver dans une seconde.
Le 1er mai 1871, Malapert, qui est l'orateur du Suprême Conseil de France, qui est par ailleurs membre de la justice 133, mais qui est l'orateur, il proteste dans une lettre en disant que le rite écossais n'était engagé par aucune des résolutions arrêtées en dehors de la Grande Loge centrale. C'est-à-dire les réunions qui se tenaient presque à ciel ouvert, ou en tous les cas qui réunissaient tous les francs-maçons de Paris, ça ne regarde pas la Grande Loge centrale, ça ne l'engage pas en tous les cas. Mais c'est la seule chose qu'on a, c'est le seul texte qu'on a du Suprême Conseil sur la Commune de Paris. Il n'en va pas de même du Grand Orient de France. Je ne vous lis pas tout, mais dès le 29 mai 1871, je vous rappelle que la semaine sanglante, c'est du 21 au 28 mai. C'est-à-dire que le sang n'est pas encore séché sur les murs. Lorsque le Grand Orient et son grand maître Babeau Larivière, qui est un républicain, mais qui est un républicain proche d'Adolphe Thiers, donc il est l'état-major d'ailleurs comme du Suprême Conseil, mais qui ne parlera pas, mais l'état-major du Grand Orient n'est pas sur les barricades avec les communards, il est à Versailles avec Thiers. Et Babeau Larivière sera préfet d'ailleurs, nommé par Thiers. Voilà. Que dit Babeau Larivière ? Il dit, je vous la citer exhaustivement, que le Grand Orient de France condamne, je cite, absolument les manifestations auxquelles s'est livré ce groupe de francs-maçons, ou soi-disant tels, recrutés pour la plupart on ne sait où, et dont la majeure partie, nous sommes heureux de le constater, n'appartenait pas à l'obédience du Grand Orient. Parce que dit Babeau Larivière est vrai. La plupart des frères qui se sont engagés dans la commune n'appartiennent pas à l'obédience du Grand Orient, ils appartiennent à l'obédience de la Grande Loge centrale du Suprême Conseil de France, du rite écossais ancien accepté, comme on l'a vu avec quelques noms que je vous ai cités. Et il va continuer dans cette veine-là. Le 1er août 1871, quelques mois après, dans le bulletin officiel du Grand Orient, où il décrit le mouvement communal ou communard ou communaliste comme, je cite toujours, pour être clair, une criminelle sédition qui a épouvanté l'univers en couvrant Paris de cendres et de ruines, et il précise qu'il n'y a aucune solidarité possible entre ces doctrines, celle du Grand Orient, et celle de la Commune, et que si quelques hommes indignes du nom de francs-maçons ont pu tenter de transformer notre bannière pacifique en drapeau de guerre civile, le Grand Orient les répudie comme ayant manqué à leurs devoirs les plus sacrés. Voilà la position du Grand Orient de France sur la Commune. Donc, disons que c'était un peu rigolo de voir que c'était Daniel Keller, le 1er mai 2014, qui faisait l'apologie d'Eugène Potier quand on connaît la position officielle et réitérée du Grand Orient de France en 1871 sur les événements de la Commune. Mais c'est pas grave, ça arrive, mais il faut s'en souvenir aussi. Alors Potier se cache, je vous dis, à Paris. En juin, c'est là où il écrit l'International, puis il arrive à passer en Angleterre, puis enfin il arrive à passer aux États-Unis. Et c'est là que, en 1875, il est initié franc-maçon dans une loge qu'on pourrait appeler sauvage, une loge libre, disons, parce que voilà, il n'y avait pas de structure obédientielle là-bas, qui s'appelle Les Égalitaires, qui est une loge qui regroupe des communards en exil à New York à cette époque-là. Donc cette loge s'appelle Les Égalitaires. Vous voyez déjà le titre distinctif de la loge, hein, c'est pas les symbolistes écossais, c'est Les Égalitaires, qui regroupe des communards en exil, et donc, dans leur hyper grande majorité, des maçons du rite écossais ancien accepté.
Et donc, le vénérable maître de cette loge, c'est Élimet, dont on a parlé tout à l'heure, qui sera encore vénérable maître des Trinitaires, qui sera au Conseil fédéral de la Grande Loge de France, notamment avec Gustave Mesureur. Élimet ne va mourir qu'en 1930, hein, donc, et Mesureur en 26. Donc, voilà, ils vont être à la tête de la Grande Loge de France jusque dans le milieu des années 20. Et voici un petit texte que je vais vous lire, qui s'appelle Eugène Potier, franc-maçon. Et c'est en fait le petit mot de Potier, mais je vous lis. D'abord, le petit mot du président du comité Potier, le docteur Goupil, dont on a parlé, du rite écossais, qui dit « Connaissant de longue date, j'arrive bientôt au cinquantenaire de mon initiation, l'esprit de solidarité qui unit les enfants de la grande famille, j'ai pensé qu'il était de notre devoir de l'associer à l'œuvre entreprise en faveur de notre frère Potier et de nos sœurs, sa veuve et sa fille, puisqu'il écrit après la mort de Potier, empêcher toutes les deux de subvenir aux nécessités de la vie, l'une par l'âge, l'autre par la maladie, et pour faire connaître Eugène Potier, franc-maçon, j'ai demandé au dévoué secrétaire trésorier du comité Potier, le frère Élimet, puisque c'est lui qui met le secrétaire du comité Potier, c'est May qui a initié Potier en 1875, pour joindre à ce livre la note suivante relatant ses souvenirs sur l'initiation maçonnique de l'auteur des chants révolutionnaires. Son initiation, c'est un petit mot d'Élimet, secrétaire trésorier du comité Potier, vénérable d'honneur de la loge Les Trinitaires Orient de Paris, membre du Conseil fédéral de la Grande Loge de France. Que dit Élimet ? Parce qu'évidemment, ça c'est publié au début du XXe siècle, hein, ce petit livre. Mais Élimet dit « J'ai eu le grand honneur d'initier Eugène Potier à la franc-maçonnerie. C'était en 1875, un groupe de proscrits de la commune venait de fonder à New York la loge Les Égalitaires. La place d'Eugène Potier était toute marquée au milieu de nous. J'ai conservé soigneusement sa demande d'admission et pour répondre au désir du président du comité, Goupil, il me semble qu'il n'y a rien de mieux à faire que de la publier textuellement. Tout commentaire serait en effet superflu et ne ferait qu'affaiblir la force de l'éloquente profession de foi de mon ami Eugène Potier. Celui qui parle, c'est lui, qui se révèle ici tel qu'il fut, je n'y ajouterai pas un mot. » Et donc, voici la demande d'admission d'Eugène Potier. Demande d'admission d'Eugène Potier, 2 décembre 1875, New York. « Citoyen, je demande à participer aux travaux de la maçonnerie et à être admis dans votre loge. Je sais qu'elle est composée d'un groupe de libres penseurs qui, ayant fait table rase des traditions et ne reconnaissant rien de supérieur à la raison humaine, emploient consciencieusement la leur à la recherche de la vérité et de la justice. Je crois, comme vous, que le bonheur de l'humanité ne peut avoir d'autre base. La science, dégagée de toute entrave dogmatique, marche de jour en jour à la découverte des lois de notre nature et prépare ainsi le code social. L'humanité, pour entrer dans sa voie normale, doit se créer à notre propre image, c'est-à-dire devenir comme l'homme, une et multiple, une par l'action, multiple par ses organes. Cette transformation de l'universel conflit en harmonie universelle ne peut s'opérer que dans une phase d'égalité réelle, non pas égalité mensongère de droit, mais égalité de lumière et de bien-être. Ces quelques mots me serviront de profession de foi, et je crois que ma vie en prouve la sincérité. Je suis né à Paris, le 4 octobre 1816, d'une mère dévote et d'un père bonapartiste. À l'école des frères jusqu'à 10 ans, à l'école primaire jusqu'à 12, c'est à mes lectures de jeune homme que je dois d'être sorti de cette double ornière sans m'y embourber. En 1832, j'étais républicain. En 1840, socialiste. J'ai pris une part obscure aux révolutions de 1848, février et juin. Du coup d'État du 4 septembre, je demeurais intransigeant. Pactisé avec les assassins du droit,
c'est se prostituer. Après plus de 30 ans de prolétariat, je m'établis dessinateur en 1864. Les dessinateurs industriels n'avaient pas alors de chambre syndicale. À mon instigation, ils en fondèrent une qui comptait 500 membres avant la guerre et qui adhéra en bloc à la Fédération internationale. C'est à ma coopération à ce mouvement que je dus d'être élu membre de la commune dans le 2e arrondissement. Jusqu'au 28 mai, j'ai exercé les fonctions de maire. Après la prise de la mairie par les Versaillais, je me repliais dans le 11e arrondissement. J'avais accepté sans réserve le programme de la révolution du 18 mars, autonomie de la commune, émancipation du travailleur. Je crois dans toute cette période avoir accompli mon devoir. Dans la lutte où tous les citoyens dévoués ont perdu leur vie ou leur liberté, je m'estime favorisé de n'avoir perdu que ma fortune. J'ai passé 2 ans d'exil à Londres et 2 ans à Boston, tâchant d'honorer par le travail ma pauvreté et la proscription. C'est à Paris, dans les derniers jours de la lutte, que j'ai vu au milieu des transports d'enthousiasme le spectacle grandiose de la maçonnerie adhérant à la commune et plantant ses barrières sur nos murailles éventrées d'obus. C'est alors que je me suis juré d'être un jour des compagnons de cette phalange laborieuse. Je me présente à son chantier. Embauchez-moi, Eugène Potier. Voilà la demande d'admission de Potier qui rejoindra les égalitaires en 1875, donc initié ou accepté par la franc-maçonnerie par Élimet. Je voulais vous citer aussi pourquoi c'est dans cette loge des égalitaires, pourquoi c'est au rite écossais, et pourquoi quand il va revenir, il va demander de revenir au rite écossais. Écoutez ce que dit, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais quand même je la redis ici avec, pour Potier. Voyez ce que dit Gustave le Français à qui Potier dédie l'international. C'est à Gustave le Français. Le Français dit, il est membre de la justice 133, la même que Mesureur, que Vallès, que Brisson, Floquet, que le photographe Nadar, enfin voilà, c'est les grandes loges, la grande loge de France, la justice 133. Le Français dit, je me suis décidé à frapper à la porte du temple, porte qui s'ouvre d'ailleurs très facilement à tous ceux qui peuvent verser 25 francs de droit d'entrée, sans préjudice de leur cotisation mensuelle, c'est une petite pique. L'hospitalité écossaise, donc du rite écossais, coûte du reste 50% moins cher que celle du Grand Orient de France, ce qui est à considérer pour les petites bourses. Le rite écossais a aussi l'avantage de ne pas avoir pour grand maître cet ignoble soudard de Magnan, le maréchal Bernard Magnan nommé par l'empereur, et puis qui a fait le coup d'État, l'un des coupe-jarrets du 2 décembre que Badinguet a imposé au rite français. Et un autre témoignage, celui du frère Bélanger, ancien vénérable maître de la justice 133, qui parle lors des 50 ans de maçonnerie de Gustave Mesureur, en 1919, puisqu'il a été initié en 1869 en même temps que Vallès. Et donc Bélanger dit « Toute liberté de réunion, de discussion, d'opinion étant supprimée, c'est dans nos loges que venaient se réfugier les partisans de la liberté, donc tous ceux qui allaient devenir les révolutionnaires, les communards, les socialistes, tout ça. Et surtout dans les loges écossaises, qui, grâce à l'énergie de notre frère Viennet, avaient échappé à l'autorité du maréchal Magnan, placé au Grand Orient par l'empereur. C'est donc dans nos loges, les loges écossaises, du rite écossais ancien accepté, que se réunissaient ceux qui essayaient d'arracher la France au régime impérial. C'est là que Mesureur vint se joindre à la justice 133, au frère Floquet, au frère Brisson, notre ancien vénérable maître d'honneur. Voilà pour vous situer le panorama. Donc, Potier, c'est la maçonnerie écossaise, du rite écossais ancien accepté, qui s'est toujours opposée à l'empereur et, il faut le dire, au Grand Orient, qui était l'obédience de Magnan, puis de Mélinet, et même après de Babeau Larivière, qui était républicain, mais qui était partisan de Thiers. Donc pour tous ces gens-là, c'était pas possible. La loi d'amnistie des communards arrive en 1880, hein, le 11 juillet 1880, la loi d'amnistie. Donc ils ont tous passé 9 ans en exil. Potier revient malade, ruiné, évidemment, à moitié paralysé. Il fréquente les goguettes, c'est là où on fait un peu de musique légère.
Et puis c'est grâce au chansonnier Nadeau qu'il va publier son recueil de chants révolutionnaires, quelques mois avant sa mort. Et puis, c'est quand il publie ça, il va gagner un concours, je vous passe les détails. Et c'est à ce moment-là qu'on présente au maire de Lille le chant révolutionnaire international, il trouve ça beau, et il demande à Pierre de Jeter, pardon, d'en écrire la musique. Et cette musique sera composée en 1888, c'est-à-dire après la mort de Potier. Potier n'a jamais entendu l'international chanter sur l'air de l'international, mais il l'a toujours compris sur l'air de la Marseillaise. Potier, il va mourir le 6 novembre 1887. Et entre-temps, vers 1895-96, les frères du rite écossais veulent que Potier revienne dans une loge de la Grande Loge Centrale du Suprême Conseil de France, du rite écossais ancien accepté. Alors ils ne vont pas choisir les Trinitaires, ils ne vont pas choisir une loge, ils vont choisir une loge qui s'appelle le Libre Examen, qui a donc été fondée, il l'a rejoint initié et sur la base de ce que pensait Émile Thierry Foch, celui dont je vous ai dit qu'il voulait planter les bannières, hein, la loge Libre Examen. Et donc, on va procéder à l'initiation, ou plutôt à la régularisation, puisque les égalitaires étaient une loge un peu sauvage, du frère Eugène Potier. Et tout est prêt, les invitations sont lancées, la date est arrêtée, tout le monde est prévenu, ça doit être une grande fête, et malheureusement, Eugène Potier va mourir quelques jours avant son retour dans la loge, son arrivée dans la loge du libre examen, et son retour au rite écossais ancien accepté, qui avait été voulu par ses amis, hein, le docteur Edmond Goupil, et Elie May, et tous les autres du rite écossais ancien accepté. Et un petit clin d'œil, puisque, juste comme ça, la loge Le Libre Examen, c'est celle qui va, au début des années 1980, initier quelqu'un que l'on connaît bien et qui a un certain rôle et une place éminente dans la franc-maçonnerie, puisque c'est Roger Daché. Roger Daché va être initié à la franc-maçonnerie, au Libre Examen, au début des années 80, à la Grande Loge de France, avant d'aller à la LNF. Voilà. Donc, l'international va devenir, grâce à la popularité de cette chanson « Parole Potier, musique de Jeter », va avoir du succès, donc un succès posthume que Potier ne connaîtra pas, va donc devenir l'hymne du mouvement ouvrier, des socialistes, des communistes, et comme je vous le disais, principalement du Parti communiste, puisque l'URSS va en faire son hymne officiel de 1922-1944. Ce qui est d'ailleurs rigolo parce que, comment dire, Potier, comme je vous le disais, Potier, comme je vous le disais, n'a jamais été marxiste. C'est rigolo, mais il n'a jamais été marxiste. Et d'ailleurs, on le voit dans ses chants révolutionnaires, en termes de... Là, j'ai la deuxième édition devant les yeux. Au sein, avant la fusion avec la SFIO, qui va faire la SFIO en 1905, il y avait plusieurs courants du Parti Socialiste. Le courant, disons, marxiste orthodoxe, là où il y avait le gendre de Marx, c'est le courant de Jules Guesde. Et qu'est-ce qui s'oppose au courant de Jules Guesde? C'est le courant de Jaurès, d'Édouard Vaillant. Édouard Vaillant, les possibilistes, Jaurès, les socialistes, ils ont plus modérés que les guédistes, moins marxistes, un peu marxistes, mais beaucoup moins. Et puis, ils vont être alliés par Jean Alleman, du Parti Socialiste Ouvrier Révolutionnaire, contre Guesde. Mais ils vont fusionner en 1905, tous, pour faire le Parti Socialiste, la SFIO, section française de l'Internationale Ouvrière, la deuxième internationale dont on a parlé tout à l'heure. Et justement, quand on regarde les chants révolutionnaires, s'il avait été marxiste, s'il avait été, comment dire, futur communiste, il aurait été préfacé par Guesde, par d'autres. La préface, c'est Alleman, c'est Jaurès, c'est Vaillant, et avec une notice de Jules Vallès. Donc on voit bien où sont les amis de Potier, c'est pas les marxistes. Il a été possibiliste, il a été syndicaliste, il a été communard, il a été révolutionnaire. Il a vraisemblablement humé les choses du côté de l'anarchie et de Bakounine, un peu comme Louise Michel, mais marxiste, Potier, jamais.
Alors c'est pour ça que j'arrive en conclusion, parce que juste avant de conclure, il faut se rappeler quand même qu'au sein du mouvement ouvrier, au sein du mouvement socialiste, c'est les guédistes qui vont en 1906 et en 1912 tenter de faire interdire la double appartenance entre la maçonnerie et le Parti socialiste, la SFIO. Et il faudra le courage et toute l'action de Lebey et de Samba, hein, Marcel Samba, qui avait été initié à la Grande Loge de France, mais qui était au Grand Orient et qui était membre du Conseil de l'Ordre du Grand Orient, pour faire que le Parti socialiste ne vote pas l'interdiction de la double appartenance avec la franc-maçonnerie. Parce que pour les guédistes, qui étaient des communistes avant l'heure, c'était dans une loge maçonnique, vous aviez des socialistes, des radicaux, des mecs de droite, tout ça, et c'est de la compromission de classe. C'était impossible pour les guédistes marxistes de tendance pure et dure. Et d'ailleurs, il va falloir attendre 1922 pour que là, il y ait l'interdiction de la double appartenance entre la franc-maçonnerie et le Parti communiste. Et c'est Trotsky qui va, dans un texte célèbre, mais je ne vais pas vous lire ici, et horrible, interdire en disant, mais c'est de la collaboration de classe, la maçonnerie, c'est pas possible, c'est... Voilà, on ne peut pas être communiste et franc-maçon, c'est pas possible. Donc ce que Guède et les marxistes purs et durs n'avaient pas réussi à faire en 1906 et en 1912 à la SFIO, bah, Trotsky y arrivera au sein de l'Internationale socialiste en 1922. Et en Internationale communiste, pardon, communiste de 1922. Donc l'interdiction de la double appartenance entre le Parti communiste et la franc-maçonnerie. Donc c'était pour vous dire, et pour que la conclusion revienne à mon propos liminaire, c'était assez drôle de voir ce 1er mai 2014, cette chorale qui chantait l'Internationale sur l'air où on l'entendait, avec des drapeaux avec la faucille et le marteau et le foulard rouge. Et puis que ce soit le grand maître du Grand Orient qui fasse l'apologie de Potier. Quand on sait que Potier, un, n'a jamais entendu la Marseillaise sur l'air sur lequel on le chante. Il ne l'a vu que sur la Marseillaise. Qu'il n'a jamais été marxiste. Donc encore moins ce qui va devenir après les communistes. Donc il n'a jamais été communiste, la faucille et le marteau, tout ça. Puis peut-être même qu'il préférait un peu plus le drapeau noir que le drapeau rouge, mais c'est pas grave. Donc il n'a jamais entendu ça, il n'a jamais été communiste, et troisièmement, le Grand Orient, pour lui, c'était Magnan, Méliné, Babeau, la Ribière, c'était la maçonnerie impériale ou la maçonnerie de tiers qui a toujours énergiquement condamné la Commune et les communards et Potier et les siens. Donc c'était rigolo parce que tout était faux dans ce qu'on voyait. Jamais Potier n'aurait adhéré au Grand Orient, jamais il n'avait été marxiste, jamais il n'avait entendu l'Internationale chanter comme on l'entendait. Donc on avait un beau spectacle, on avait une belle commémoration, on avait de l'émotion, mais rien qui ne correspondait à l'histoire réelle, j'allais dire, en tous les cas à ce qu'a été, à ce qu'a pensé et à ce qu'a fait Eugène Potier. Voilà, c'est pour ça que je voulais comment dire, intituler cette conférence Eugène Potier de l'Internationale à la maçonnerie, et avec ce petit clin d'œil, parce que parfois l'histoire est un peu taquine. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette conférence jusqu'au bout, j'allais dire, et puis à tout bientôt pour un nouveau numéro de Jean Laurent raconte.